Achille se réveille en sursaut. Il a fait une nouvelle fois ce rêve. Un rêve qui l'obsède. L'écho persistant du choix auquel sa mère, Thétis, l'a confronté au moment de son départ pour Troie. Soit combattre aux côtés des Grecs et voir son nom célébré jusqu'à la fin des temps, mais mourir en accomplissant ses exploits. Soit rester chez lui, auprès des siens, vivre avec la femme qu'il aime, une existence longue, belle, bénie des dieux, mais renoncer à la gloire qui traverse les siècles. Devant lui, Ajax et Ulysse. Ils sont venus lui dire qu'Agamemnon, le roi des rois, le priait humblement de revenir au cœur des combats, qu'il lui rendait Briseis et le comblait de plus de cadeaux qu'il ne pouvait en espérer. Achille fixe ses compagnons. Oui, son choix est fait. Il ne restera pas sous sa tente. Mais il ne combattra plus pour Agamemnon. Il rentre en Grèce et il conseille à ses compagnons d'en faire autant. Il leur rappelle que s'il a accepté de venir faire cette guerre, c'est uniquement parce que tel était son bon plaisir et non pour venger l'honneur d'un mari trompé, fût-il Ménélas, le propre frère d'Agamemnon, le roi des rois. Ulysse reste sans voix. Alors, la guerre de Troie est perdue pour les Grecs. Achille s'enfonce dans sa rancune. Puisse cette arrogance ne pas attirer sur lui la colère des dieux. Au même instant, à Troie, Priam et ses généraux exultent. Le vieux roi est désormais convaincu que la victoire n'est plus qu'une question d'heure. Les Grecs ont perdu la faveur des dieux. Leurs pertes sont de plus en plus lourdes. Ce soir, le mur que les Grecs ont érigé pour protéger leur nef sera détruit. Et il ne restera plus aux Troyens qu'à incendier leur navire. Hector acquiesce. Oui, bien sûr, les Grecs sont à genoux. Mais ils résistent. Et tous les assauts qu'ils mènent, lui, Hector, sont repoussés. Le fils de Priam est-il ici le seul conscient de la fragilité de la position troyenne? Il sait que Troie ne pourra vaincre tant qu'Athéna penchera du côté des Grecs. Elle est déesse de la guerre. C'est elle qui empêche les Troyens d'en finir avec les Grecs. Hector a une idée. Que les Troyens, désormais, honorent la déesse. Qu'ils lui établissent un culte à égalité avec les autres dieux protecteurs de Troie. Apollon, Artémis et Aphrodite. Priam écoute son fils et balaye d'un geste sa proposition. Il craint d'offenser les dieux qui défendent son peuple s'il offre à Athéna d'être reconnue comme l'une des déesses de Troie. Non, rien ne sert de ruser avec la déesse de la ruse. Il faut attaquer sans tarder. Apollon guidera le bras d'Hector, et le dieu de la lumière sera plus fort que la déesse de la guerre. Soit. Hector obéira à son père. Mais un sombre pressentiment le saisit. Il ajuste son armure.
prend son épée et son javelot, marche d'un pas décidé vers les portes de Troie. Énée le rejoint. Ensemble, les deux généraux troyens haranguent leurs cavaliers, puis ils lancent leurs chevaux au grand galop jusqu'aux dunes où campe l'armée grecque. À nouveau, le choc est effroyable. À nouveau, les Troyens s'engouffrent. À nouveau, les Grecs reculent. Sous sa tente, Achille écoute avec indifférence la clameur de la bataille. Un jeune page entre, craintif. D'une voix blanche, il lui annonce que le roi des rois, Agamemnon, vient d'être blessé. Une flèche lui a perforé l'épaule. Et le fougueux Diomède, lui aussi, vient d'être touché. Achille ne bronche pas. Rien ne semble pouvoir arrêter les Troyens. De même que les chasseurs épuisent un sanglier dans l'épaisseur d'un bois, de même, les hommes d'Hector se pressent autour d'Ulysse. On dirait des loups affamés. Une lance frappe le bouclier du roi d'Ithaque. Mais au moment où elle va pénétrer dans les entrailles du Grec, une main invisible la détourne. Celle d'Athéna. Ulysse est sauvé. Mais une flèche troyenne le frappe à la cuisse. Il faut le secourir. Ajax et Ménélas, au prix d'une lutte acharnée, parviennent à l'arracher au champ de bataille. Les Troyens sèment l'effroi dans les rangs grecs. Dans un fracas prodigieux, les palissades s'effondrent, les remparts se brisent. Dans la grande muraille érigée par les Grecs pour protéger leurs navires, une longue brèche se dessine comme une plaie béante. Partout, des chars renversés, des chevaux éventrés, des bras, des têtes qui roulent à terre, des blessés qui agonisent les uns sur les autres. Une clameur immense monte vers le ciel. Jusque sur l'Olympe. Loin de la fureur des hommes, Héra observe impuissante la débâcle grecque. Ainsi, Zeus leur a interdit le champ de bataille, mais il a pris le parti des Troyens pour complaire à une déesse de second ordre, Thétis. Il n'a pas puni Arès, qui excite les troupes d'Hector, ni Athéna, sa fille chérie, qui vient d'éviter à Ulysse une mort certaine. Héra désigne aux dieux le théâtre des opérations. Les hommes d'Agamemnon ne résisteront plus longtemps si les divinités censées les protéger n'osent pas leur porter secours. Les dieux de l'Olympe entendent-ils vivre indéfiniment au gré de Zeus? L'un d'eux ne peut cacher son agacement. Poséidon, celui qu'on appelle l'ébranleur du sol, ne supporte plus que son frère Zeus lui dicte une nouvelle fois sa conduite. Il trépigne. Mais tous les dieux, y compris l'ombrageux Poséidon, se récusent. Ils ont juré au maître de l'Olympe de désormais rester neutre et n'ont aucune envie d'encourir sa foudre et ses châtiments.
Alors Héra regagne ses appartements. Une idée lui vient. Elle prend un bain, se coiffe, dépose quelques gouttes d'huile parfumée sur son cou, se pare des étoffes les plus séduisantes qui soient et se rend chez sa grande rivale, Aphrodite. Depuis le début de la guerre de Troie, les deux déesses se vouent une haine sans limite. Héra n'a pas accepté qu'Aphrodite soit désignée par le jeune Paris comme la plus belle de toutes les déesses. C'est pour cela qu'elle soutient les Grecs face à Aphrodite, qui protège Paris et les Troyens. Les deux déesses sont face à face. Entre deux sanglots, Héra vient reconnaître sa défaite. Le sort de la guerre de Troie est désormais scellé. Aphrodite et ses protégés ont gagné. Les Grecs sont vaincus. Pour Héra, il ne reste plus qu'à tenter de reconquérir les faveurs de son époux, Zeus. Et pour cela, elle sollicite l'aide de la déesse sortie vainqueur de ce conflit et de leur querelle. Elle supplie Aphrodite de lui prêter sa ceinture. Cette fameuse ceinture brodée où sont enfermés ses charmes. Cette ceinture qui ensorcelle quiconque la porte et permet de séduire les êtres les plus insensibles. Celle-là même qui, jadis, fut offerte à Paris. Aphrodite jubile. Ainsi, elle a gagné. Et même la redoutable Héra vient se soumettre. Elle accepte. Elle concédera à sa rivale vaincue l'amour, le désir, par lesquels sont terrassés mortels et immortels, afin que Zeus revienne à elle et que l'unité règne à nouveau parmi les dieux de l'Olympe. Elle dénoue la ceinture brodée, la met dans la main d'Héra et lui affirme qu'elle ne retournera pas sur l'Olympe sans avoir obtenu ce qu'en son cœur elle désire. Héra se rend alors auprès de son divin époux. Elle se fait humble, mais aussi enjôleuse. Et elle lui demande l'autorisation de regagner sa couche. Le désir voile aussitôt l'esprit de prudence du grand Zeus. Et comme au premier jour, l'un et l'autre s'unissent. Mais Héra n'en reste pas là. Dans le plus grand secret, elle a obtenu du dieu Hypnos, le dieu du sommeil, qu'il la suive à bonne distance. Elle lui a fait croire que le puissant Zeus désirait se reposer, mais ne parvenait plus à trouver le sommeil. Juste après leurs ébats, sur un signe d'Héra, Hypnos endort Zeus. Une molle torpeur recouvre alors les paupières du dieu des dieux. Terrassé par l'amour et par le sommeil, il sombre dans une léthargie qu'Hypnos prend soin de rendre aussi profonde que durable. Héra se redresse. Un coup d'œil à son époux endormi et elle se précipite sur l'Olympe.
aux dieux assemblés. Elle annonce que Zeus est assoupi et qu'ils peuvent donc profiter de ce répit pour voler au secours des Grecs, sans plus risquer la foudre divine. Mais c'est à Poséidon qu'elle s'adresse avant tout. Poséidon, irrité par la muraille érigée par les Grecs, a soulevé la mer contre eux. Mais il se trompe de combat, lui dit Héra. À vrai dire, elle n'a aucun mal à convaincre Poséidon, l'éternel comploteur relégué dans son palais sous les mers, de prendre parti pour ces Grecs que Zeus voudrait tant voir perdre la guerre. Poséidon regagne son palais, puis se dirige vers le camp grec. Une fois sur le rivage, il prend l'apparence de Calchas. Calchas, le devin au grand pouvoir, l'homme qui sait interpréter les volontés des dieux. Agamemnon et ses compagnons dévisage le vieillard avec étonnement. Il y a à peine 2 jours, ce que Calchas lui avait annoncé avait obligé Agamemnon à rendre sa captive, la belle Chryséis. Le devin le lui avait assuré. C'était la seule solution pour calmer la colère du dieu Apollon. Quelle mauvaise nouvelle va-t-il leur apporter cette fois-ci? Mais, contre toute attente, voici Calchas qui les exhorte à tenir, à se regrouper, à lancer l'assaut contre la cavalerie d'Hector. Il les adjure de ne pas perdre espoir, de retourner au combat. S'adressant à Agamemnon, il affirme que s'il reprend la bataille, il assistera à la chute de Troie, que son jour de gloire n'a jamais été aussi proche. Sur ces mots, il sort de la tente, reprend sa forme divine et s'élance dans la plaine en poussant un cri furieux. De l'autre côté de la muraille, désormais brisée, l'intervention de Poséidon a un effet prodigieux. Voici que la bataille prend un tour encore différent. Elle tourne maintenant à l'avantage des Grecs. Les Troyens sont repoussés. À travers la mêlée de plus en plus confuse, Hector aperçoit soudain Ajax. Pareil à un fleuve en crue, le géant grec brandit sa masse, fauche guerriers et chevaux par dizaines. Hector lance vers lui son javelot. Il est arrêté par le bouclier du grec. Ajax, sans perdre un instant, saisit une des énormes pierres qui servent de cale au navire et il la catapulte de toutes ses forces sur le Troyen. Hector est atteint en pleine poitrine. Autour d'Hector, c'est la stupeur. Les guerriers grecs se précipitent pour achever le fils de Priam. Les Troyens le recouvrent de leurs boucliers. Parant les coups mortels, ils soulèvent leur général, le couchent sur un char et parviennent à l'emporter vers la cité. Alors qu'ils arrivent au pied des murailles, Hector reprend connaissance. Il tente de se relever, mais s'écroule à nouveau. Peu à peu, la nuit noire enveloppe ses yeux. «
Le sommeil vient de quitter Zeus. D'un bond, le dieu des dieux est sur pied. Il regarde autour de lui. Il cherche Héra. Puis il se penche au-dessus des nuages, vers la plaine de Troie. Sur le champ de bataille, il voit Troyens et Grecs, les uns ébranlés, les autres les bousculant par derrière. Il voit Athéna guider les flèches des archers d'Agamemnon, Apollon guider celles des archers de Priam. Et surtout, il voit son frère, Poséidon, tel un forcené, encourageant les Grecs, déchaînant sur Troie l'orage et ce qui ressemble à un véritable raz-de-marée. Et là, se hâtant vers la porte de Troie, sous la pluie ruisselante, Hector, porté par ses hommes, blessé. Une colère terrible s'empare du dieu des dieux. En un instant, le voici sur l'Olympe. Il saisit au cou l'insolente Héra. Il est sur le point de lui broyer la nuque lorsqu'il se souvient qu'elle est sa sœur et sa femme, mais aussi qu'il l'a déjà châtiée par le passé. Souvenez-vous, il l'avait suspendue dans les nuages, avec deux enclumes aux pieds et aux bras une chaîne d'or, parce qu'elle avait osé monter contre lui les autres dieux. Il décidera plus tard de la sanction qui doit châtier celle qui, depuis le début, est prête à tout pour que disparaisse Troie et que triomphent les Grecs. Mais d'abord, il lui faut arrêter ce carnage. Il rappelle Athéna, qui n'ose se présenter devant lui et s'enfuit aussitôt. Sur son frère Poséidon, il lance la foudre que ce dernier n'évite qu'en la parant d'un revers de son trident avant de plonger au cœur de l'océan et de s'enfoncer dans les flots jusqu'à son palais sous-marin. De ce palais, loin des hommes et des dieux, l'ébranleur du sol lance à Zeus, son frère, ce qui résonne comme beaucoup plus qu'un avertissement. Il accepte de se retirer devant le dieu des dieux, mais il lui intime l'ordre de détruire Troie. Sans quoi, entre eux, ce sera une inguérissable rancune. Zeus contemple la plaine de Troie. Partout, des morts par centaines. Et un homme dont la vie ne tient qu'à un fil. Un homme qu'il faut sauver à tout prix. Hector, fils de Priam, se meurt.